Comme la plupart des Strasbourgeois, Baptiste est confiné depuis le 17 mars. En télétravail, il ne peut se déplacer qu'en de rares occasions. Et pourtant, il a trouvé un moyen de venir en aide aux plus démunis sans sortir de chez lui. Dans sa cuisine, il mitonne des repas pour les personnes sans domicile. Et aujourd'hui, c'est riz cantonné au menu. Je reprends les mêmes recettes que je fais d'habitude. Je fais juste en plus grand. Là, normalement, on est deux. Mais je vais faire pour 4, pour 5, tout dépend après de ce que j'ai. Ce qui m'a donné envie, c'est de pouvoir aider malgré tout et de transmettre un petit peu de nourriture à des gens qui en ont besoin dans ce moment-là. Après avoir rempli un formulaire, un livreur bénévole vient récupérer le panier repas directement en bas de chez lui. Le tout en respectant les gestes barrières. Tu vas bien? Ouais, ça va. Je te le laisse juste là. Ouais, merci bien. Merci. Passez une bonne journée. Merci, toi aussi. Chaque jour, 25 livreurs sillonnent l'agglomération de Strasbourg et distribuent entre 3 et 4 repas chacun aux sans-abri. Bonjour! Comment allez-vous? Très bien, et vous? C'est sûr qu'il y avait un vrai besoin parce que les gens dans la rue, il y en a beaucoup moins, donc ils peuvent moins avoir d'argent. Il y a des associations qui ne peuvent pas travailler. Donc voilà, nous, on était vraiment là pour répondre à ce besoin. Notre but, ça serait de pouvoir continuer après le confinement et que les gens prennent toujours le temps de cuisiner une petite part en plus et qu'on trouve des livreurs volontaires pour distribuer ces repas. Depuis le démarrage du mouvement citoyen à Strasbourg, 847 repas ont été livrés à ceux qui sont dans la rue, accompagnés parfois de petits mots ou de produits de première nécessité. Des attentions nécessaires en cette période difficile. C'est une salade iranienne avec du pain et du fromage, je pense. Des repas chauds comme ça, c'est pas tous les jours qu'on en a, donc on peut en profiter, des fois quand les gens n'importent, on est heureux. Quoi. C'est quelque chose de génial, ce qui nous permet au moins tous les jours d'avoir un repas, parce que c'est devenu assez dur de faire des manches, même les gens ne veulent plus forcément nous donner par peur qu'on soit malade ou quoi que ce soit. Et franchement, sans ça, il y a plein de jours où je pense que certains ne mangeraient pas. Effectivement, oui. C'est génial. Il y a des enfants qui participent et tout, c'est vraiment génial. D'ailleurs, j'en ai 2-3 que j'ai gardés. Pendant le confinement, les sans-abri font ainsi face à de nouveaux problèmes pour se nourrir, accéder à certains services sociaux ou encore se loger. Alors depuis un mois, 7 sans-abri et leurs chiens ont trouvé refuge dans un squat. Je travaillais en fait au début du confinement, mais comme j'étais en période d'essai, c'est tombé pile dans le début du confinement. Et mon patron n'a rien trouvé de mieux que de me licencier pour être sûr de ne pas devoir me payer davantage. À partir de ce moment-là, ça a été assez compliqué parce que d'être tout le temps réprimandé par la police, nous dire de rentrer chez nous alors qu'on n'a pas de domicile. Chaque jour, des associations leur apportent nourriture, eau potable et autres besoins de première nécessité. Il y a des hôtels qui ont été réquisitionnés, il y a des hébergements d'urgence qui ont été ouverts. Donc il y a à peu près 2600 personnes qui ont été mises à l'abri pendant cette période. Les seules personnes qui n'ont pas été mises à l'abri, ce sont les personnes avec des chiens qui sont à la rue. Donc du coup, l'idée était d'ouvrir un bâtiment vacant sur Strasbourg où on pouvait être hébergé, enfin où on pouvait trouver de la place pour nous, quoi. Avec cette maison, Sandrine s'est donné une mission, créer une association qui pourrait accueillir des personnes à la rue accompagnées de leurs chiens. De quoi redonner espoir aux oubliés du confinement.